And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Saviour, previously in the collections of three kings of England. At 90 million. Leonardo, at 200 million, looking for 210. Sir, are you coming back in? 370 million, back to Francois's client, at $370 million, ladies and gentlemen. 400 million is the bid. For the Salvator Mundi at 400 million. And of course here, Loic and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvator Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid. And the piece is sold. Aux enchères. Oui, et puis il a battu un record. Belle somme, voilà. Et bah oui, c'est la plus forte somme pour un tableau. Il a explosé le record précédent du Picasso, puisque là, ça s'est vendu 450 millions de dollars hier à New York, c'est-à-dire presque trois fois plus que le Picasso qui avait le record précédemment. Ce tableau de Léonard de Vinci s'appelle Salvator Mundi, le sauveur du monde. Alors, on reconnaît tout de suite le style, hein, ouais. Léonard de Vinci, il y a un petit peu de Joconde dans ce tableau. D'ailleurs, les deux datent à peu près de la même époque, on est vers 1510 à peu près. Ouais, cette effigie, cette image, vous voyez cette image, c'est Borgia. César Borgia. Oui, c'est Borgias. Vous voyez l'image que vous voyez là. Bon. Et cette image-ci, c'est l'image de votre Messie, là, de votre faux Jésus, là. Voilà votre Jésus. Voilà votre Dieu que vous avez accepté, là. Vous voyez? La même image, en fait. Ils se ressemblent. Vous voyez pas qu'il y a une grande ressemblance? Vous voyez? Exactement ça. Bon. Et voici encore une autre image de Borgia. Borgia. Quelle ressemblance avec celle-là? Quelle ressemblance? Vous pouvez aller sur Google, il y a où Wikipédia, vous tapez Borgia. Vous tapez César Borgia et vous allez voir cette image. On va même vous raconter son histoire. En fait, c'était le fils du cardinal Rodrigo Borgia. C'était le fils d'un cardinal. Bon. Et pour inventer celui-là, ils ont pris l'image de celui-là. Ils l'ont dessiné. Ils ont dessiné celui-là. Vous voyez, ils ont dessiné celui-là. Ils ont fait son portrait. Ils ont fait le portrait de Borgia que vous voyez là. Si on enlève le chapeau, peu importe ce qu'il a là, vous allez directement voir que c'est exactement comme votre Jésus. On a pris le portrait de cet homme-là. De cet homme-là. Pour faire ça là. Voilà. On a créé cet homme-là. En fait, pour votre information, on vous dit tout le temps que le Christ est arrivé il y a 2000 ans. Christ n'est pas venu il y a 2000 ans. Personne n'est arrivé il y a 2000 ans. En fait, on a juste monté une histoire il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on a peint celui-là pour créer celui-là. Et les évangiles étaient déjà écrits depuis. Ils ont tout centré sur la personne de ça, là, de cet homme-là, de ça, le christocentrisme. C'est les catholiques, c'est l'église romaine qui a inventé ça. Qui a inventé cet homme-là. Qui a inventé ça. C'est l'église romaine babylonienne qui a inventé ça. Ils ont inventé ça. Pour mieux contrôler. En France, à une certaine époque, c'était ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la France, l'église dominait en France. Ça dominait en fait. C'était avec l'État. Il y avait le roi, il y avait le pape. Et c'était même le pape qui était supérieur. C'était le pape qui pouvait même enlever le roi. C'était le pape qui avait le dernier mot. C'était l'église. C'était l'église en fait. Ils ont dit tous vos symboles là, c'est du païen. Ils n'ont fait que reprendre cela et vouloir remodifier. Ils ont changé la couleur. Ils ont dit s'appelle Jésus. Ils ont mis l'image de Borgia. Et Borgia lui-même c'était quoi? C'était un homosexuel. C'est pour ça que les prêtres catholiques, ils couchent tout le temps avec des enfants. Pourquoi?
Parce que l'entité que vous avez crue, là, cette entité-là, cette image que vous avez acceptée, là, vous avez foi à cette image-là, avait déjà des rapports sexuels avec des hommes. C'est pour ça que le monde est comme ça. Le mot sexualité ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que vous avez cru à cette entité-là. Et cette entité en train de vous dominer. Et vous défendez même cette entité-là sans connaître l'histoire.